On va terminer avec un feu d'artifice. Lio, Elena, vous les avez vus à la une de France Soir Télévision et Figaro Télévision ce week-end. C'est un succès déjà de presse très mérité. L'Olympia 20-22-23. Je voudrais encore la remercier, Lio, d'être venu rendre hommage à Dino Rossi avec tant d'humour il y a 15 jours. Je casse tout ce que je touche, c'est le titre de cette chanson. Courez vite applaudir Lio à l'Olympia, c'est un événement. Elle est là, Lio. Pendant 3 jours. Pendant 4 jours. 4 jours. Et un jour supplémentaire. Et oui, c'est ça. C'est formidable. On parle pas davantage si vous êtes essoufflé. Essoufflé, oui. Votre médecin vous a donné le feu vert? Mais je ne lui ai pas demandé parce que j'ai eu trop peur qu'il me dise non. Oui. Alors, mais ça va bien. C'est quand même rare. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui affronte le public avec déjà en gestation un petit bébé quand même. Et oui, mais j'espère qu'il ne va pas sortir comme ça. Ça, ce sera évidemment l'événement. Merci infiniment. Samedi prochain, ce n'est pas Champs-Élysées, c'est la nuit des Molières. Le cinéma avait ses Césars,
la musique avait ses Victoires, la télévision avait ses 7 d'or, et bien maintenant le théâtre a ses Molières, grâce à Georges Craven et Antenne 2 depuis le Châtelet avec Françoise Boulin, avec Jean-Luc Moreau, entre autres. On se retrouvera avec un président, François Perrier, avec également Michel Sardou, Raymond Devos, Michel Bouquet, Bernard Giraudot, André Dusselier, Michel Blanc, je ne peux pas tous les citer. Rendez-vous pour la grande fête du théâtre samedi prochain à 20h30. Merci Léo. À bientôt. Au revoir, merci. Thank you.